Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et sur cette nouvelle vidéo, évidemment, on va s'attaquer au Playroom de la console, donc de la PlayStation PS4. Et comme vous le voyez à votre écran, évidemment, on va se faire un petit top 10 des 10 meilleurs streamers qui nous ont bien fait rire, d'ailleurs, grâce au Playroom de la PS4. Allez, c'est parti! On attaque avec cette 10e position, et à mon avis, il a dû passer une grosse journée. Allez, debout là-dedans. Allez, décidé à pas se réveiller celui-là. En 9e position, les lendemains de discothèque sont plus souvent difficiles. Et d'ailleurs, je pense que ces deux Américains comptent bien rester allongés et passer leur dimanche après-midi à se reposer. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un, c'est toujours pas réveillé. En 8e position, on a aussi des stars dans le Playroom de la PS4. Et d'ailleurs, on va découvrir un Américain dans son propre studio. Et vous allez voir que, comme quoi, on n'a pas que des fous aussi dans le Playroom. Allez, on découvre la 8e position. Numéro 7, et pour ce numéro 7, je vous ai déniché un Anglais qui, lui, a préféré se déguiser en femme, et je pense, à mon avis, le rester, car je pense qu'avoir une couille entre les jambes, ça n'a pas trop pu lui plaire. Et on découvre maintenant. Yes. Do we take David Cameron seriously? No. Well, I don't. Well, over 20 years. I think he's got the biggest... On s'approche de la première position et on attaque tout de suite la 6e position. Et on va voir Papy Geek tranquillou sur son canapé. Il profite de sa retraite. Il a geeké pendant plus de 50 ans et il mérite d'avoir quand même ça pour pouvoir se reposer. En tout cas, Papy Geek, il a bien raison. Il reste jeune dans sa tête. You need some speakers, Robert? Well, there's four of them right here. It's the Sony 3000. Four of them. En 5e position, on va faire un petit détour et on va s'arrêter en Roumanie où on va voir une famille qui ont décidé de découvrir la PlayStation 4. Et vous allez voir que le padré derrière est un peu bizarre. On les découvre maintenant, c'est parti! En numéro 4, si vous trouvez que les radios nationales françaises vous diffusent vraiment de la musique pourrie, alors branchez-vous au Playroom, car DJ Fou vous fait un set exceptionnel en direct de chez lui. Je place les voisins quand même, les pauvres. Bon courage. Avant de découvrir les 3 meilleurs streamers, on va aller vite fait faire un petit tour. Voir la 10e place, voir si c'est enfin réveillé. Tout de suite, le podium. Et en 3e position, on va retrouver la météo. Quel temps fait-il aux États-Unis ? C'est maintenant qu'on le découvre. En 2e position, on va s'arrêter en Allemagne. Et qui dit Allemagne dit évidemment la musique électronique hardcore. Et vous allez découvrir un jeune homme d'à peine de 15 ans, passionné de musique électronique. Et vous allez voir que derrière les platines, ce petit monstre peut faire bouger plus d'une centaine de personnes sur les pistes de danse.
numéro 1. Et le numéro 1 est attribué à un Américain qui lui se poste devant la caméra et ne fait que danser. C'est Jérôme, d'ailleurs, qui va bientôt débouler en France avec une nouvelle émission qui sera présentée par Nikos Aliagas, Danse avec personne. Il y a encore du boulot à faire, mais tu vas y arriver. Et voici la fin du Play Zap des 10 meilleurs streamers. Quant à moi, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube ou aller liker ma page Facebook Rules Gamer. Je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme on dit toujours, en direct de PlayStation, on garde toujours un œil sur le stream. Allez, salut les gamers !